c'est Chikyo. On se trouve pour l'épisode 2. J'ai vu que l'épisode 1 vous a beaucoup plu et on est parti pour l'épisode 2. Alors, je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai amélioré. On a fait un peu de Mystica Agriculture là-bas. C'est pas moi qui le fais, c'est mon pote Mania. On vous expliquera ça dans une autre vidéo parce qu'on construit une grosse ferme et on vous expliquera tout ça. Donc c'est vraiment super. J'ai construit d'autres enclos. J'ai mis un dinosaure, on va voir ça, regardez. Hop. On a l'enclos de Philippe, le petit dinosaure juste là, qui est parfait avec le petit observatoire, il y a de l'eau. Parfait. On a l'enclos d'un nouveau dinosaure. Hop, on va rentrer ici pour regarder. Et regardez, on le voit un peu mal, attendez, on va se mettre là-bas. Un super dinosaure. Et on a un nouvel enclos qui est juste là, qui est nouveau et vide pour... Oula, attention, mon épée est tombée. Pour un prochain dinosaure, quand on va les capturer. Hop, ensuite, je vais vous visiter un petit peu. Hop. On a commencé à faire un peu de chasseur de vampires. Bon, normalement on avait un chasseur de vampires, je sais pas il est passé où. Je pense qu'il est parti. Il est parti en vacances. Ou soit il est parti comme ça. Faudrait que j'aille le rechercher parce que quand même c'est plutôt compliqué de les avoir. Donc voilà. Donc on va dormir et on va se retrouver tout de suite pour aller chasser des dinosaures pour le nouvel enclos. Parce que ce que j'ai entendu des rumeurs de mes potes, il y aura un Carnot pas loin dans la montagne. Donc on va y aller. Mais on va dormir avant. Hop, on a dormi, regardez. Je l'ai retrouvé, il est juste là, je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Ah, c'est parce qu'il y a... Oh, il y a des gobelins ici. Qu'est-ce qu'il fait avec son petit bâton? Il essaye de les libérer, je sais pas ce qu'il fait, mais bon. Attention à toi, je te vois le vampire trainer. Bon, hop, on mange un petit coup et on va aller chercher ces dinosaures. Alors, normalement c'est vers... ils m'ont dit vers les montagnes, il y aurait un Carnot. J'ai ma Pokéball qui est juste là. On va essayer de voir s'il est là, ça serait vraiment super. Parce que c'est quand même un dinosaure, ça on s'en fiche. Ils sont là depuis le début. Il y en avait deux, j'en ai capturé un pour le mettre là-bas. Je vais pas mettre les deux parce que ce serait beaucoup. Parce qu'ils sont vraiment gros et l'enclos est pas assez gros. Reste ici, j'ai agrandi leur enclos, peut-être. Mais pour l'instant, donnez votre avis en commentaire si je capture le deuxième ou pas. Parce que je sais pas du tout. Alors la montagne, c'est là on m'a dit. Est-ce qu'il est là? Il est là, il est là, il est là. Attendez, on va regarder ça un peu mieux. Attendez, hop, on va avancer, on va sauter petit à petit. Oula! Oula, oula, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un Carnot, je pense. Ouais, c'est un Carnot. Bah, on m'a dit que il y avait un Carnot. Oula, regarde-moi ça là. Attendez. On va essayer de mieux voir. Attendez, on va essayer de mieux voir. Oula, monte ta tête! Alors, regarde-moi ça! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Regardez comment il est énorme. Bon, c'est pas grave, on va le capturer. Allez hop, on a c'est trop de la triche. En vrai, la Pokéball elle est facile à crafter et c'est de la triche pure pour capturer les dinosaures ou les animaux. Faudrait que je mette un name tag aussi. Bon, hop, j'ai une idée aussi. Pourquoi pas vous le donner un nom en commentaire au Carnot. Je vais le nommer pour l'instant parce que bah faut bien que je le nomme. Mais bon, il faut bien que je le fasse. Attendez. Hop là, on va te poser. Loulou, mais il est gigantesque. J'ai fait un enclos beaucoup trop petit. Je me suis dit, ouais, c'est un Carnot. Radis. Ça va, il vit avec une mouche, c'est très bien. L'enclos est un peu petit. On va m'appeler pour maltraitance. Il est gigantesque. Il est gigantesque. Bon. Est-ce que... Ouais, je pense que je vais faire un truc. Je vais changer d'enclos, les deux. Parce que cet enclos-là est plus sécurisé que l'autre. Et je pense qu'il y a plus de chances qu'il s'évade de l'autre enclos. Attends, hop. Toi, viens avec moi. Hop, on va faire un petit changement. Parce que là, aucun il va s'évader. Heureusement, il n'y a pas le temps de réfléchir. Pas de temps de réfléchir, voilà. Je change d'enclos parce que là je le sens mal. Hop. Attendez, ok. Ouais, là il sait plus où les barrières. C'est un petit peu mieux. Regardez, lui au moins il peut plus s'échapper parce que là avec deux barrières, vas-y. On le voit bien, j'aime bien. On voit bien. Bon, cache-toi, allez, je vais plus te voir. Bon, au moins d'avancer sur ça. On va le renommer tout de suite.
Parfait, Carnot. On va l'appeler Carnot pour l'instant. S'il avait un nom en commentaire à changer, on va le changer. C'est juste un nom pour pas qu'il disparaisse. Parce que vous savez que sans les noms, ils disparaissent. Comme ça, parfait, on va le garder. Putain, je suis vraiment content parce que ça, c'est quand même assez rare. Il est gros. Bon, c'est pas un T-Rex, encore un Spinosaur. Là. On n'a pas encore trouvé des dingueries comme ça. On a de petits dinosaures. Je sais pas ce que c'est, les petits dinosaures comme ça. Et l'autre aussi, je sais pas ce que c'est. Mais là, ça, je sais que c'est un Carnot. Ça se voit à 1000 km. Lui, ça se voit. Je sais pas ce que c'est aussi. Donc c'est déjà pas mal, on a déjà 3 spécimens, on avance plutôt pas mal là. Je trouve les gars, regardez, il y a un putain de vampire, qu'est-ce que c'est que ça? Je suis chasseur de vampires, donc mon but c'est tuer les vampires. Entre nous, c'est pas très compliqué, parce que c'est pas des vampires nommés. Il peut y avoir des vampires nommés qui sont beaucoup plus compliqués à tuer, mais là ça va quoi. Et j'ai retrouvé, regardez, mes collègues vampires sont là, ma tueur de vampires. Donc ça va, ça se passe plutôt bien. Faudra que je torche un petit peu pour les mobs parce qu'il y en a quand même pas mal. Il y en a quand même beaucoup. Donc voilà, en vrai, ça se passe plutôt bien. Il y a encore lui qui est là, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à demander. Normalement, il y a des grottes là-bas. Hop, on peut descendre. Ok, on va y aller, je pense. Hop, hop. On fait gaffe. Oula. Ok, on remonte. Ce sera le sujet d'un autre épisode, je pense. Un spinosaure, c'est pas. Attendez. Juste le voir. C'est pas que j'ai peur, mais vu sa taille, j'ai rien pour le mettre. On va pas aller l'embêter. On va le laisser là. Je pense que c'est une belle bête. C'est une très belle bête qui va rester là pour l'instant parce que là, il n'y a pas de. Non, 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 non. On va pas y aller parce que. Qu'est-ce qu'il veut lui? Hop, là y a plus de squelette, y a plus de squelette, monsieur. Hop là. Oh, là je laisse ce petit furet. C'est trop bien, c'est un furet, regardez. On le prend. On capture un furet. J'en ai rien à faire. On va capturer le furet. On va le mettre à la maison. Moi, un petit furet comme ça, tout mignon, ça finit à la maison direct. Y a pas de question, là, le petit furet, là, il est trop choupi choupi. On va le garder. Donc, il faut que je prépare un name tag. Oh, faut que j'aille prendre un name tag vite, vite, vite. On va prendre ça vite fait les gars. Hop, on va se dépêcher, regardez. Hop, hop, hop. Et alors, petit name tag, on en prend un. Hop, alors. On va aller tranquillement le renommer. Hop, on va l'appeler. C'est un furet. On va l'appeler Fur. J'ai pas d'idée de nom. On va l'appeler Fur. Ok, maintenant tu restes ici. Fur, tu es mon furet. J'avais vu sur le wiki qu'il fallait de la viande de poulet. Est-ce qu'on en a? On n'a pas de viande de poulet cru. C'est très dommage. On a du bœuf. Est-ce que tu manges du bœuf? Il y a des cœurs. Non, il n'y a pas l'air d'avoir. Il n'y a pas l'air de. Non. Ouais, il fait dodo. Ouais, fais dodo pour l'instant et enfuis-toi pas. Ce serait très bien que tu t'enfuis pas. Ce serait quand même pas mal. J'aimerais bien qu'il reste là parce que quand même. Il est tout. Donc reste ici. Parfait. Donc ensuite, on va regarder ce qu'on peut faire. Qu'on va faire? On va ramener un singe. J'ai assez d'XP, ouais, j'ai assez d'XP. En vrai non, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo, la base sous-marine. On a 30 picocrabes et j'ai installé le Mayston. On peut aller tranquillement au tropique. Et qu'est-ce qu'il y a au tropique? Déjà, il y a des. Je sais pas ce que c'est ça, attendez, je vais regarder, c'est quoi? Déjà, il y a des papayes. Il y a des papayes, ça c'est pas mal. Mais il y a des petites abeilles sympas. Il y a des singes surtout. Il y a des singes. Tiens, t'as une papaye. Tu veux pas de papaye? Tiens, salopard. C'est pas grave, je te prends. On prend un singe. Attends, je vais regarder s'il n'y a pas autre chose. Des fleurs, des perroquets, ouais. Des colibris. Ok. Des tapirs. Ok. Ah, je veux ce singe-là à la place de. Tiens, moi je veux. Petit singe, tu es moche, je veux lui. C'est un capucin ça. Spider Monkey, je sais pas qui c'est, mais je veux ça. Et lui, c'est quoi ça? Attendez. Et lui, c'est un Velvet Monkey. Moi, je veux un Spider Monkey. Vu comment il marchait là, ça se voit. Regardez. Ouh, oh, regardez. Alors là, qu'est-ce qu'il fait? Il est possédé ou quoi? Et il est charismatique. On verra ça plus tard pour plus capturer tout le monde de cette dimension. Mais sur ce coup-là, lui, c'est obligé, je le prends. Vous avez vu comment il est? Il est charismatique, y a pas de. Alors, faut que je me trompe, faut que je me trompe. Si je me trompe, j'ai plus d'XP, donc je me suis foutu.
si je peux, mettre un monkey là. La loutre en liberté, c'est pas grave, mais un singe, je vais faire que des raids. La loutre, c'est pas, c'est un furet, c'est pas une loutre. Qu'est-ce que je dis, moi? Ça a quelque chose, ce truc? Je sais pas. Bon, on va acheter ça. C'est pas si grave. Ok, j'ai un singe. Où je pourrais mettre ça? Je peux le laisser en liberté là. Mais il va faire des conneries. Regarde-le, ça se... Regarde-le! Ça se voit, il fait des conneries. Ça se voit, il fait que des conneries, regarde-le. Attendez, on va faire RP singe et on va faire comme si on était dans sa tête. Attends, faut. Attends, regardez. Regarde-moi cet humain! Non, faut que j'arrête de faire des voix. On va pas faire ça, on va pas faire ça. Pas de RP singe aujourd'hui. Mais ce gigacha de singe, il va rester ici. Ça, c'est bien. Normalement, il y a un crabe bizarre aussi, des cocotiers qui étaient tombés de mon cocotier. Je vous jure, je l'ai tapé, il est devenu. Bah, il était tout nu. Et dès qu'il me voit, il court. Mais il court à une de ses vitesses. Je sais pas s'il est là quelque part. Je sais que tout à l'heure, quand j'ai construit cet enclos-là, il était là. Mais la question, c'est... Regardez, je vais avancer, regardez. Oh oui. Regardez, voilà. C'est pas parce que je l'ai tapé, hein. Regardez, c'est quand j'avance. Bon, je vais le capturer, lui. J'aimerais bien... Attends, on va le mettre dans le lac. Parce que j'ai un super lac. Je sais pas pourquoi, j'avais une loutre à l'intérieur, et là, ben, le sort, je pense que la loutre est partie, hein. Elle s'est dit, peut-être elle est quelque part là-bas, je sais pas, moi. Ok, le crabe n'aime pas être dans l'eau. Regardez. Il court hyper vite, je sais pas, il m'aime pas, mais c'est parce que depuis que j'ai pris sa coquille, il me déteste. Bon, c'est pas si grave, hein, mais... C'est vous. Bon, je vous montre aussi ça. On a fait une cave base qui a rien, on n'a pas avancé dessus. Hein. On a vraiment fait un truc de base avec des blocs de laser. Ok. Faut que j'arrête de. Attends. Oh, j'ai trop peur. Attends. Hop. Je suis trop. Je suis con ou je suis con? Je pense que je suis con. Hop, voilà. On n'a rien fait dessus. On n'a vraiment rien fait. Oh, je sais pas où il y a de l'eau. Attends. Non. Je me rappelle la dernière fois, je suis mort. Je suis mort la dernière fois, donc attends, j'ai une idée. Ok, comme ça c'est parfait. La dernière fois je suis mort là. Après là j'ai pas d'XP donc c'est pas si grave. Regardez le singe, super Giga Chad. Allez. Bon. Oh non. Bah, je pense que la loutre elle a fini. Attendez. Il me faut des barrières. Attendez. Bon. Vous passez ou pas? Ouais, vous passez. Attendez. Voilà. Ne pas laisser les singes y aller. Bon. C'est pas si grave. On va se laisser sur ça. C'était très drôle. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker et vous abonner à la chaîne. Allez sur Discord communautaire. Et à la prochaine pour le prochain épisode. Salut à tous, c'était Chiclio, des bisous.